Avec le projet Le Maire, le logement molenbeekois diversifie son offre de logements sociaux. Il s'agit ici donc d'un projet exemplaire, tant par la qualité de son objet social que par la qualité de ses infrastructures, de son architecture ou de sa performance énergétique. Ce projet, bien plus qu'une construction de logements sociaux traditionnels, nous lançons ici un véritable projet solidaire qui permet aux personnes âgées de garder toute leur autonomie dans des logements adaptés et avec un accompagnement individualisé assuré par le CPS de la commune. Ces personnes âgées sont aussi encadrées par le CPS dans la mesure où il y a une assistante sociale, où il y a différentes aides, toute une série d'activités qui permet aux personnes de se retrouver, d'avoir des activités, d'avoir éventuellement des formations, de développer complètement ce qui permettra à ces personnes de vivre d'une manière à la fois décente, mais surtout aussi épanouie, sereine. Ici, on est vraiment dans relever les défis de Molenbeek. On a beaucoup de personnes âgées, on a un gros défi sur le logement et en particulier le logement social. Donc ce projet, c'est magnifique. Dans notre quartier du coin perdu, les personnes âgées en difficulté vont pouvoir côtoyer les autres personnes âgées dans quelque chose qui est un écrin magnifique. Het project Le Maire is het resultaat van een mooie samenwerking met de Molenbeekse woning, met de gemeente Molenbeek en met het OCMW van Molenbeek. We hebben hier 31 seniorenwoningen gebouwd met collectieve voorzieningen die daarmee gepaard gaan. We hebben een restaurant, we hebben een salon, we hebben een bibliotheek. Mensen kunnen elkaar hier ontmoeten, zowel de bewoners van deze woningen als deze van de wijk. Zoals de BGHM dat proberen altijd te kijken, wat zijn eigenlijk de behoeften van de buurt en wat eigenlijk zijn de behoeften van eigenlijk de Molenbeekse woning. En op die manier proberen we eigenlijk die allemaal samen te zetten, zodanig dat we een meerwaarde zijn voor deze wijk. Maar we hebben dat ook proberen te doen door eigenlijk heel veel aandacht te besteden aan die architecturale kwaliteit van de woning. Sur le plan urbanistique, nous avons travaillé sur les différentes typologies des gabarits autour de la parcelle, en complétant le square et en tissant des liens avec le patrimoine de la cité Saulnier. À l'intérieur, nous avons des studios et des appartements de qualité, mais on a voulu aussi offrir aux habitants des espaces communs pour favoriser leur vivre ensemble. Grâce à ces espaces qui sont beaucoup plus grands et beaucoup plus généreux, ça donne une autre échelle aussi au bâtiment et à la manière de vivre à l'intérieur du bâtiment. Projet flambant neuf qui donnera certainement un nouvel élan au paysage immobilier molenbeekois, qui s'ajoute au parc du logement molenbeekois et qui porte désormais notre bâti à un peu plus de 3400 habitations. Nous mobilisons pour répondre au mieux grâce à la création ou à la rénovation de logements aux besoins de notre population.